Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, des conditions de jeu parfaites. Ses magnifiques ruelles et son Estadio de Dragão, trois lieux à visiter impérativement. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Pour moi, le joueur clé, c'est Thibaut Courtois. Un gardien de 2 mètres, c'est un sacré atout. Mais en plus, le Belge a une maturité folle contre lui. Mais s'il est un coup de sifflet, ce sera une faute. Choisit la profondeur. Modric. Hazard. Oh, Benzema. De repartir de derrière. Face, c'est osé. Et ce ballon sur l'aile, il voit sa passe interceptée. Oui, il va falloir que ça manquait de précision aussi. Allez, ça doit faire but. Benzema, ballon superbe. Oh, le gardien est là, la classe. Ah oui, superbe. Ce sera le premier corner du match. C'est dégagé. Oh, le duel. C'est le moment de centrer. Le soutien derrière lui. Il frappe. Oh, but! But pour le Real Madrid. Yes! Goal! La frappe enroulée, elle finit au fond. Oui, il était concentré sur son tir, les yeux rivés sur le ballon. Il a déclenché sa frappe. Bim! Plus rien n'existait autour de lui. Le Real Madrid qui a donc ouvert le score. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Balance qui peut avancer. Allez. Et la touche maintenant. Long ballon dans le sens du jeu. Il relance côté droit. Le bon dribble. Ils obtiennent la touche. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Vinicius Junior. Hazard. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Bien, la profondeur. Et ces deux-là ne se lâchent plus. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Vinicius Junior. Oh, Benzema. Il est lancé sur l'aile.
Il a du champ sur le côté. Le Real Madrid. La frappe, attention! Et c'est sur ce dernier frisson que se termine la première période. Le Real Madrid qui n'aura rien lâché la preuve avec cette dernière tentative. Les supporters doivent encore se demander comment c'est pas allé. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score, hein, partout. Et c'est reparti. Pas de changement à la pause, on est reparti avec les mêmes acteurs. Bien tenté. C'est parti. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. Le gros dégagement. Et la touche maintenant. Occasion peut-être pour Benzema. Mais ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Une très grande ouverture. S'il le trouve, le ballon dans la profondeur. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. C'est joué dans l'espace. Ça ne passe pas. Du gardien. Quelle fait du bien cette interception. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Vinicius Junior. Diakabi. Passe. Carlos Soler. Le ballon dans la profondeur. Et danger écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera un corner. Le corner est joué court. C'est joué long. Benzema. Benzema. Il dans le dos de la défense. Dans la profondeur. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. C'est allongé. La longue passe, il peut en profiter. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Casemiro qui a mis son pied en opposition. Ça pourrait être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Et il continue de progresser. Ça joue bon. Oh, la grosse occasion! Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Et personne n'aura pris l'avantage aujourd'hui à l'issue de cette rencontre. On s'est quand même régalé à suivre ce match entre deux équipes de très bon niveau. Alors dites-moi, dites-nous Darren, ce que vous avez pensé de ce match.